Que je suis en direct, ça a l'air d'être bon. Alors, eh bien, on est parti. Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, le temps que les gens arrivent tranquillement, je m'installe tout juste aussi. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. Enfin, un bon début de soirée. On est reparti avec cartographie de l'inconscient humain. Ça fait quelques semaines que rien n'avait euh, rien n'avait été fait de mon côté pour euh, cause de transformation personnelle, ça c'est sûr. Euh, et suite à la suppression de ma chaîne aussi. Euh, alors, à quoi ça sert Cartographie de l'inconscient humain, bah, comme c'était écrit dans le titre, c'est euh, découvrir des clés de résolution de ton humanité. Euh, découvrir des clés de résolution concernant euh, ta problématique, la question que tu m'apportes. Comment est-ce que je fais ça eh bien, Simplement par, euh, par cette capacité que j'appelle la claire information. J'ai développé des capacités de clair informant, c'est-à-dire que j'ai spontanément conscience euh, des fonctionnements et des choix inconscients qui sous-tendent un discours, une énergie, euh, une attitude, une action, etc., etc., donc tout le, le jeu de questions-réponses, ça va être pour moi de rendre conscience ses fonctionnements. Et donc euh, d'aider ton système, d'aider qui tu es, d'aider ton être à accepter de manière euh, à son maximum, pleine et entière, qui il est, donc, qui tu es, là où tu en es dans ta vie, etc. etc. Alors, euh, ce qui a changé par rapport à... D'autres, les autres fois, euh, c'est que tout se passe maintenant sur Zoom. Euh, si tu veux me poser ta question, sache que c'est enregistré euh, avant de euh, mettre Zoom, coupe le son de YouTube pour éviter que j'ai un écho, s'il te plaît. Ça me permettra vraiment que ce soit un peu plus agréable pour moi parce que entendre sa propre voix euh, en écho, surtout c'est d'autant plus désagréable. Euh, Bonsoir à toi, Enjoy, Sandrine, Véronique et toutes les autres personnes qui sont là. Euh, le lien est dans la description de l'événement de YouTube. Donc, euh, n'hésitez pas à cliquer dessus. Lorsque vous arrivez, inutile de mettre la caméra euh, directement. Levez la main euh, lorsque vous voulez poser une question. Et puis, euh, et puis voilà. Alors. Je ne sais pas qui est la première personne parce qu'elle n'a pas, euh, pas mis son pseudo, donc je ne connais pas. Il y a marqué utilisateur de Zoom. Qui es-tu, utilisateur de Zoom Donc n'oubliez pas, euh, lorsque vous êtes sur, euh, sur Zoom, de connecter votre micro au minimum et pour que ce soit un peu plus convivial, votre vidéo aussi. Quoi D'autre à la fin de la soirée, il y aura une petite surprise. Ce sera dédié uniquement aux personnes qui seront sur Zoom à ce moment-là. Donc, je vous laisse la surprise, la surprise pleine et entière. Alors, euh, bon, bah pour le moment, il n'y a aucune question. Euh, on va attendre. Je ne sais pas qui est là. Utilisateur de Zoom connecte son audio. Voilà, ça arrive. Alors... Donc ouais, n'oubliez surtout pas de connecter votre audio. Ah mais c'est Johan. Joanne, euh, est-ce que tu peux... Euh, ton micro n'est pas, est pas connecté Oui. Attends, je vais demander à réactiver le son. Voilà. Oh ouais, je t'entends pleinement. Il n'y a que moi qui t'entends en fait. Les, euh, normalement, les, les personnes sur YouTube ne peuvent pas t'entendre. Mais, euh, mais ça, ça fera comme, euh, comme d'habitude sur YouTube, c'est-à-dire qu'on nous verra tous les deux techniquement. Alors, ouais, oh ouais, ouais, t'es la première personne, euh, quelle est ta question Mmh. Ok, donc t'as des problèmes de digestion et euh... ok, d'accord. Bon, on va aller voir ce que c'est. Alors. Euh... Ouais, tu tournes un boucle dans un schéma, alors c'est quoi ça euh, Ce schéma, c'est... Alors, émotionnel, oui. Euh... Tu dois trouver... Alors, t t t es... T es... tu cherches euh, quelque chose pour te, euh... pour te sauver. Ok. Euh... Ouais, c'est ça. Alors, il y a une désillusion qui est en train de s'opérer chez toi, ou plutôt qu y a des... qui s'est déjà opérée il euh, y a une forme de désillusion qui est là, et du coup tu euh, es en pleine digestion de ça, j'ai envie de te dire. Donc en fait, tu es en train de t'apercevoir que euh, tu peux compter vraiment que, tu, que, sur toi, que sur toi, et donc que tu es ton propre pilier. Et ça au niveau émotionnel, c'est mal, enfin, mal géré. Euh, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui n'est qui est pas super bien géré à ce niveau-là, parce qu'il y, y, y a une tendance dans ta structure inconsciente à vraiment euh, vouloir aller attacher les autres au niveau émotionnel, j'ai envie de te dire, pour que ce soit, pour que ça devienne tes repères, pour que eux, pour que cet extérieur vienne euh, faire office de pilier ou de béquilles, si tu veux. Euh, alors, euh, ça me parle, alors ça, ça me raconte, je dois vivre comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça Je dois vivre comme les autres, c'est-à-dire que tu t'aperçois que tu es différente. Alors, voilà, à peu près oui et non. Euh, tu t'aperçois que tu es différente. Euh, et la pièce de puzzle que tu es, en, en tant que pièce de puzzle, tu sais pas comment te intimbriquer, donc t'associer, euh, et donc comment relationner avec, euh, avec les autres. Et donc, es en, ta structure inconsciente, elle est en plein questionnement vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de comment je me lis, comment je fais, bordel de merde, comment j'ai fait jusque-là même pour me... On me relie aux autres, comment ça fonctionnait avant T'en as même pas le souvenir. C'est comme si, voilà, tous tes repères sont en train de se, de se virer au fur et à mesure et euh, es dans l'obligation, enfin, dans l'obligation, as toujours l'univers arbitre, hein. mais en tout cas, ta structure inconsciente, elle, elle branche, elle connecte fortement cette, ce, ce, ce fonctionnement de maintenant je dois créer des repères par moi-même. Et en fait, c'est ça, t'es en train de jongler avec ça, si tu veux. C'est-à-dire que tu sais pas trop comment, euh, comment créer des repères dans le monde, dans le contexte relationnel. Euh... Ok, donc ça, ça me parle vraiment de tes relations. Hein. Alors, comment créer des repères Comment être, comment être sûr dans le monde des relations plutôt Comment te sentir pleine et entière, légitime, sans trahir l'autre et sans aller non. Et, sans, et comment. Euh, en fait, comment. Et aussi, comment ne pas totalement aller chez l'autre pour te trahir toi-même. Et tu es en train de chercher le, le bouton on-off. Tu es en train de, de, de prendre conscience de quand est-ce que tu te trahis. Quand est-ce que c'est bien toi. Euh, quand est-ce que tu es à l'aise avec toi dans la relation par rapport à l'autre. Sauf qu'il y a plein de trucs qui se mélangent chez toi. Qu'est-ce que c'est que ça Il y a plein de trucs qui se mélangent ouais alors ça dit mais j'ai besoin de douceur j'ai besoin de euh, j'ai besoin qu'on prenne soin et en même temps je sais que je dois faire par moi-même mais en fait tu tritures la tête par rapport à tout ça euh, alors c'est ok de euh, c'est ok de d'être totalement consciente ou en partie consciente que euh, bah tu devrais ou tu sens que tu es sur le chemin de devenir ton propre pilier ton propre parent ta propre autorité on va dire ça comme ça, et ce pas incompatible avec le fait d'être, de, de vivre des expériences où tu as encore besoin de l'autre. Ok, voilà, c'est ça. Donc ce que ça renvoie aussi dans ta structure, c'est que avoir besoin de l'autre, ça fait remonter chez toi de la colère. Parce que ça te renvoie à ton incapacité à faire les choses. Ça renvoie à ton... Ah ouais, ok, d'accord ça. Euh... Il y a une espèce de. de, de... En fait, tu es sur ton rapport inconscient au père, si tu veux. Euh... Ouais, on est. Qu'est-ce que ça raconte T'as beaucoup de choses à lui dire. Que ce soit de manière directe ou que ce soit sur la personne euh... sur laquelle tu projettes cette relation inconsciente, si tu veux. Euh, T'essayes de prouver les choses, c'est pour ça qu'il y avait de l'impuissance. Ouais, il y a de l'impuissance. Alors t'essayes de prouver les choses, t'essayes de prouver quelque chose à l'autre en disant mais regarde la grande fille que je suis devenue, regarde, regarde la grande fille que je suis. Euh, ok. Et ce qu'il y a en dessous c'est que tu attends une réponse. Tu attends, euh, tu attends quelque chose de, euh, de particulier, une réponse qui qui te dirait bon bah un repère de plus extérieur qui te dirait bon ok je suis à la bonne place. Euh... Ok, est-ce que jusque-là, ça va toi Est-ce que ça résonne Ok. Mhm. Mmh. Mmh. faire face alors qu'est-ce que tu es en train d'aller chercher toi ouais il y a vraiment ce tu veux pas lâcher la il y a une part de toi et en fait ce sont des parts émotionnelles des fonctionnements type émotionnels qui veulent pas lâcher la repère parce qu'il y a, y, a y a une notion de ce monde est dangereux et potentiellement dangereux pour moi et c'est une histoire que tu te racontes donc une histoire émotionnelle que tu te racontes sauf qu'elle est plus tout à fait vraie elle n'est plus tout à fait vraie parce que maintenant tu sais très bien que euh, <laughs> tu peux autant faire mal qu'on te fait mal si tu veux. En fait, que tu peux autant prendre cette notion de pouvoir, rentrer dans cette notion de pouvoir où tu es en sécurité, sans rentrer dans cette euh, ce, ce, le, le pouvoir que qu bah, qu chaque, chaque personne peut-être dans son pouvoir. Hein. Et donc c'est euh, comment tu définis clairement les règles. Comment est-ce que tu arrives arrive à clairement définir une direction Et j'ai envie de te dire, eh c'est ok si tu te casses la gueule. Tu vois C'est, c'est, tu, tu, cherches la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Oublie la bonne réponse. La bonne réponse. En fait, tu veux la bonne réponse pour te sécuriser. Parce que tu sais, tu, parce que t'as capté, en fait, t'as, intégré très jeune, on va dire, qu'il il y avait une réponse qui était euh, émise par l'autorité la, en place, et du coup tu devais essayer de trouver, tu devais essayer de, de, de faire ce jeu de piste pour, pour trouver cette bonne réponse. Sauf que le monde fonctionne pas comme ça, et c'est ça le deuil à faire. Le deuil, c'est que euh, mais en fait. Une activité ou n'importe quel choix ou euh, n'importe quelle action peut être, euh, peut être construit sur quelque chose qui est totalement merdique. De, dans le sens de ton point de vue, tu dis Ah, mais ça, c'est pas bien. Ah, mais ça, c'est pas ok. Ah, mais ça, c'est pas aligné. Il faut que je sois vraiment bien aligné pour trouver la bonne solution. En tout cas, il n'y a pas de bonne solution. Et c'est justement faire feu de tout bois, c'est-à-dire aller à l'intérieur. Aller réellement à l'intérieur de toi, prendre tout cette, toute cette, toutes ces mat matières premières pardon, et les, les faire rentrer dans la construction. T'as rien à craindre. Il n'y a pas de grand méchant loup. Tu, ton, ta structure, il ne croit même pas à cette histoire. Il croit même plus à cette histoire. Tu plus la petite victime, en fait. Le truc, c'est pose tes règles. Elle est là la clé de résolution. Tu, tu, en fait, alors non, je, je vais reformuler la clé, ça va mieux passer comme ça. Euh, projette tes émotions, accepte de projeter tes émotions extérieurement, de leur donner une forme, de donner une forme à cette pâte à modeler, et laisse-les te guider concrètement. Toute forme d'émotion positive négative colère joie tristesse peur euh, peu importe ce que c'est une émotion est légitime et tant que toi tu ne poses pas un regard de ceci en moi est légitime pourquoi parce que je le ressens parce que ça fait partie de qui je suis et en fait, c'est comme ça que tu vas, re, tu vas trouver, tu vas t'enraciner dans, euh, dans, dans ton propre pidi en fait, dans ton propre pouvoir, dans ta propre autorité, et que tu vas être ton propre repère. Voilà ce que, quelle serait la clé pour toi euh, par rapport. À, voilà ce que serait la clé pour toi. Cette notion de, de bah, projette tes émotions au lieu de vouloir faire tout bien, donc ce qui renvoie à de la rigidité mentale derrière, hein, et c'est dans ta structure familiale. Dans ta structure familiale, c'est vraiment, euh, on va dire, intellectuel, j'ai envie de dire ça, tu vois. C'est vraiment l'intellect le, le, dessus, est au-dessus de tout, et donc ça crée, ça crée un esprit qui nie le corps. Sauf que chez toi, c'est pas possible. <laughs> es trop connecté avec ton corps, et donc il y a une histoire de légitimité. Euh, pas de légitimité, mais de, 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 de loyauté vis-à-vis -vis de la structure familiale, vis-à-vis -vis de ton rapport à ta famille. Et euh, tu es là en train de regarder les deux chemins. Bon, euh, soit je vais vers moi et je les emmerde, soit je vais vers eux et je m'emmerde. Bah, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Parce que, ok, la clé, l'autre clé, euh, c'est que en te choisissant toi, tu choisis aussi l'autre. En légitimant tes émotions, en légitimant tes exigences, en légitimant tes angoisses, en légitimant tout de toi et d'apprendre à le faire, parce que ce n'est pas un truc qu'on connecte comme ça par l'esprit, hein. c'est un processus d'apprentissage dans la matière. Donc comment on légitime tout ça, comment se fait ce processus, eh c'est par les, 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 les situations de la vie. Et ça passe par, je me rends compte que je ne suis pas capable de faire ça, je me, suis, je me rends compte que je ne suis pas capable d'exprimer telle émotion où je sens que j'ai une émotion, mais je n'arrive pas vraiment à la contacter ou à rentrer dedans, ou je n'arrive pas à la mettre en forme pour créer un choix. Peu importe ce que c'est. C'est un processus d'apprentissage. Et donc, rentre dans ce processus d'apprentissage. Voilà, avec ça, je pense que c'est euh, bon. Avec plaisir une bonne soirée alors on est bon et comme l'a fait sandrine lorsque vous voulez passer à l'antenne levez la main comme ça je vous accueille Hop. demandez à donner le yo demandez à activer le son Malheureusement, je ne peux pas activer ma caméra à deux endroits à la fois. Bonsoir Sandrine. Mmh. <coughs> ah oui, 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 vu que c'est moi qui l'écris, je vois très bien. <laughs> Mais. Non, non, je l'écris, je l'écris moi-même, j'ai écrit euh, ah, juste avant de l'envoyer, donc euh, oui. Ouais. Mmh. 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 Ce sujet... Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, ah oui, intéressant du coup. Ok, bon bah on va aller voir. C'est tout frais, c'est du frais, c'est du poisson frais. <laughs> bon, on va aller voir ce que ta structure raconte. Alors, euh... ne pas être entendu dans ses émotions et dans qui tu es. Et un stress de poser. Alors. Avant le stress, euh, base, euh, c'est euh, chacun est responsable de ça. C'est-à-dire que même si ça s'est passé il y a 45 ans ou ça s'est passé il y a deux jours, il y a une histoire de euh, je, euh, je crée les conditions qui sont favorables à ce que l'autre me dise ta gueule. Tu vois C'est si, euh, vraiment, et bon, ça peut sembler un peu dur quand on te dit ouais, mais j'étais enfant, blablabla. Même là, on a tout pouvoir. Même si c'est pas conscient à la base, on est d'accord. Alors. Donc, euh, ouais, ça fallait, fallait que ce soit posé parce que c'était une information importante. Euh, le stress, voilà, j'étais sur du stress chez toi. Il y a un stress à t'ouvrir à l'autre. Il y a un stress à la communication. Ah, ça c'est intéressant. Un stress à la communication. Il y a une sorte de prudence à la communication chez toi. Donc du coup, tu, tu marches sur des œufs. Euh, sans cesse, dès que tu es sur le, 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 le plan de la communication, donc euh, pour toi il faut absolument. Ok, je vais te donner une image avec toujours avec mes images un peu bizarroïdes. Tu es sur un ch... en fait, le... es euh, avec une personne, vous êtes à, à l'extrémité d'un chemin, ce chemin est pavé d'œufs, et toi tu dois littéralement marcher sur ce chemin pavé d'œufs. Sans en casser aucun. Donc, sans faire de bourde, sans faire de euh, faux pas, sans dire ce qu'il faut pas, il faut absolument que tu te dises quelque chose qui soit juste, qui soit pertinent, euh, etc., etc. Sinon, ça ne va pas. Il y a une espèce de stress qui est posé à la, à la communication et qui est là-dessus. Euh... Mmh. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Mmh. Non non tu faut, 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 il faut non non là je suis sur toi donc c'est à toi c'est à, à propos de toi hein. c'est ton rapport à toi-même et ton rapport à l'autre en fait il faut à tout prix que toi ce que tu crées ce que tu formules soit euh, nickel chrome donc il y, y a une notion de perfection en fait, tu te tends, tu te tends, tu te tends, tu te tends. Et donc, il y a une exigence, il y a une exigence pardon, extrême euh, par rapport à ce que tu dois produire. Et derrière, il y a des émotions. Derrière, es, en fait, tu es, es en crise émotionnelle. Ta structure, elle est en crise émotionnelle, hein, si tu veux. C'est-à-dire euh, elle est en crise émotionnelle parce que toi, tu... tu... Alors, alors, plutôt. Tu as créé cette exigence parce que ta structure est en crise émotionnelle. Et donc, tu tentes de de poser je vais je vais te formuler ce que c'est la crise émotionnelle mais tout à l'heure euh, le le côté euh, le côté exigence c'est c'est un stratagème si tu veux pour euh, pas voir et pas forcément ressentir que euh, les émotions s'agitent énormément en toi en fait t'es pas juste un être rationnel es aussi un être émotionnel le truc c'est que T'as coupé effectivement. Pourquoi Parce que t'es aperçu que les émotions, ça foutait la merde, et que le mental, l'esprit, et eh ben, ça donnait là, ça pouvait donner la bonne réponse. Donc du coup, ta préférence, elle est allée vers le côté, bah eh ben, en fait, je donne ma bonne réponse parce que c'est comme ça que je vais être nourri. Et donc, on, y, on nous retourne dans ce, dans ce, rapport. Donc cette vision de l'enfant par rapport à la, sa relation à l'extérieur, c'est-à-dire que je dois absolument, je suis dans une obligation pour, euh, pour un enfant, c'est une option, c'est euh, question de survie. Et si je veux qu'on me nourrisse, je dois adhérer aux règles familiales. Et donc chez toi, tu as encore ce mécanisme là de bah, je dois fournir la bonne réponse, n'est pas moi qui ai la bonne réponse. Moi, je ne peux pas être la créatrice de la bonne réponse, c'est dans ton scénario, l'autre a la bonne réponse, l'autre est un univers auquel tu dois te soumettre. Pour rentrer dans ses bonnes grâces en fait rentrer dans ses bonnes grâces ça veut dire te sentir en lien avec l'autre et pourquoi tu veux pourquoi et, et pourquoi tu veux te sentir en lien avec l'autre parce que ça te rassure émotionnellement et en fait tu es là-dessus dans euh, dans ton rapport euh, dans ton rapport à l'autre dans ta communication alors on va aller voir ce que ça euh, ce que ça raconte plus profondément Donc en gros t'es en panique. Tu euh, as construit. Euh, T'as construit une bonne maison, euh, une jolie maison avec des, euh, des meubles, des jolis meubles, une jolie déco et tout, sauf que de, de, dehors, il y a une. Il euh, y a une... Il euh, y a une tornade. Et que la tornade, elle va passer par ta maison. Et toi, essayes de sauver les meubles. De les maintenir, de mettre des ficelles autour. Et c'est le truc qui est juste euh, un peu... Euh, bah qui sert à rien, en fait, ta maison elle va, elle va être emportée. Et donc. Sous-jacent à ça, bah, l'image de la tornade, bah, c ce sont tes émotions. Alors, si je te remets ça un peu quand même, la, si je te remets la clé un peu en mode, euh, en mode euh, la clé de résolution un peu en mode mental, c'est que euh, tes émotions ont raison. Tes émotions ont raison. Donc, en fait, euh, à un moment donné, il va falloir les suivre. Ok, intéressant. Alors pas que, pas que, il y, y a aussi des pulsions plus profondes, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui n'est pas rationnel de ton, euh, à partir de ton point de vue, il y a des émotions que tu pourras peut-être jamais nommer, mais c'est quand même auquel les suivre. Comme une intuition, tu sais pas d'où ça vient, mais c'est quand même auquel la suivre. Euh, essaye d'avoir raison. Essaye de faire en sorte que, en fait, vu que tu es, es sur une typologie où tu vas préférentiellement te soumettre à l'autre pour te sentir sécurisé émotionnellement, bah en fait, tu te tires une balle dans le pied, tu, tu, tu te rejettes et tu t'abandonnes, tu te mets de côté. Et en fait, elle est là la base. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Mmh. Ok. Effectivement, et le doute est normal en fait. N Espère pas ne pas avoir de doute lorsque tu plonges en toi, mais n'espère pas avoir de doute, non, de ne plus avoir de doute lorsque tu cherches un repère à l'extérieur, parce que personne ne pourra jamais t'assurer que c'est à 100% vrai, même pas toi-même. En fait, ça renvoie vraiment à l'expérimentation pure et dure. Que tu te soumettes à une autre personne et que cette personne devienne ton repère absolu, ou que tu décides euh, de ne plus jamais avoir de repère à l'extérieur, de personne repère, de personne ressource, par exemple. Et que tu dises, bah en fait, le repère, c'est moi. Vu que à l'intérieur de toi, ça bouge tout le temps. Tu n'as jamais les mêmes pensées, tu n'as jamais les mêmes émotions, en fait, c'est jamais la même coloration. Bah en fait, tu n'as pas le choix de te, de te laisser emporter sans savoir où tu vas aller, exactement comme ta décision de, euh, de le quitter, sans savoir où ça va te mener. Tout ce que tu sais, c'est que oui, il y a du doute, mais euh, oui, il y a une certitude, oui, il y a ceci, oui, il y a cela. Et en fait, ton choix, enfin plutôt la, une partie de la clé, c'est bah en fait, euh, qu'est-ce que je choisis de, de regarder en moi, quel son de cloche je choisis de nourrir en moi Et ça, c'est un ça c'est très conscient. Et euh, donc ça veut dire, ça veut simultanément dire, bah le doute est là, bah je vais pas le rejeter. Mais en même temps, je vais pas non plus l'écouter à 100%. Parce que je sens que ce n'est pas totalement ce que je veux. Mais je, lui laisse quand même ça, que je, mais je lui laisse quand même un espace d'expression, tu vois. Ensuite, ce que ça renvoie de manière un, un peu plus profonde là, euh, donc tu es en train de devenir ton propre pilier, euh, tu es en train de reconstruire tes fondations, si tu veux. Donc ce sur quoi tu es en train de fonder ta vie, ce sur quoi tu es en train de fonder tes choix, ce sur quoi tu es en train de fonder tes actions. Et en fait, il n'y a rien de vrai, il y a rien de faux. Et c'est toi, tu, comme tu cherches la bonne réponse, il y a une partie de ton esprit qui est, une partie de ta structure qui veut, mais moi je veux le, le baguette, la baguette magique, qui va, tu sais, je veux la formule qui résout tout. Mais en fait, il n'y a pas de formule qui résout tout. Quoi. Et là, il y a une frustration. Là, je suis en train de toucher une frustration dans ta structure. Là, il y a une frustration parce que tu as été habitué. C'est l'accoutumance à... En fait, il euh, y, y a des réponses partout. Il y a des certitudes partout. Et là, tu es juste en train de voir que... Bah non, la vie n'est pas, fait, pas faite que d'incertitudes. De certitudes, c'est les deux. Il y a des choses qui sont stables, mais qui, changent au, qui vont changer au fur et à mesure. Ah oui. <laughs> Donc en fait, ce que je te dis, bah, c'est expérimente. C'est-à-dire, euh, alors si je reviens à ta question de base et je te donne la clé de résolution, enfin, potentiellement il y en a dix mille de clés de résolution, hein, donc euh, euh, en fait accepte de blesser l'autre. Donc c'est comme si en en, 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 en communiquant avec quelqu'un, tu viens dans l'intention de le blesser sans forcément euh, le blesser réellement dans tes mots. Parce que l'intention, l'énergie, la vibration dans laquelle tu es, c'est. Euh, je ne fais pas de concession. Parce que là. <laughs> T'as pas l'air satisfaite. <laughs> bah ouais, c'est ce que. Il bah, faut que ça accepte de blesser de l'autre, c'est-à-dire de, de, euh, que toi, tu es à l'intérieur des pulsions, des émotions qui ne soient pas très jolies à voir de ton point de vue. Ou du point de vue de l'autre. D'ailleurs. Et le truc, c'est que... Euh, c'est que... Euh, regarde, mais regarde de pleine face ta saleté. Parce que l'être humain, toi, moi, tout le monde, on est à la fois... Euh, la pure lumière euh, du soleil et les, et les immondices les plus, euh, les plus puants qui soient. Et tout ça, tout ça c'est toi. Ça vient touche ça vient toucher, toucher l'abandon chez toi. Abandon, rejet. C'est ça vient quelque... en fait tu expérimentes lorsque il y a clash, tu expérimentes la séparation si tu veux. Donc abandon, rejet. Et c'est là-dedans. Va expérimenter ça. Parce qu'en fait, tu aura auras beau tourner dans ta tête euh, 10 000 fois, euh, aller voir 50 euh, clairvoyants si tu veux. Au bout d'un moment, il va falloir expérimenter. Donc laisser de l'espace. Donc continuez à former ton territoire, à, à te fonder sur toi, sur ce qui t'anime euh, pour formuler tes, tes décisions, sachant que ah oui, ok. okay. Euh, tu souhaites aussi te, te venger. Hein. Derrière, il y a un élan de vengeance. Euh, de, en fait, je fous sur la gueule de l'autre. Je le, en gros, je lui, je lui donne des coups de batte de baseball dans la tronche euh, parce que euh, moi, je souffre. Donc en fait, euh, va, va, va aussi regarder ta souffrance. Ça ne va, ça va pas t'éviter de le faire, mais au moins, je te dis juste que le fait que toi, tu veuilles euh, rendre la monnaie de leur pièce, c'est parce que tu souffres à l'intérieur. Donc, déjà, va observer, va vivre ta souffrance et effondre-toi avec ta souffrance. Précisément, ta structure, elle est sur la, elle est, elle est sur la jouissance d'aller là-dedans. Donc une jouissance, ce n'est pas un plaisir humain. Une jouissance, c'est une jouissance d'être. C'est-à-dire une jouissance d'être euh, la personne qui, euh, bah en gros, euh, marave la gueule aux autres. Donc, leur, leur, jette des, leur jette des pierres. Autant la jouissance de rentrer dans ta propre souffrance. Mais ça, pas, je, je le précise, ce n'est pas au niveau humain ni intellectuel. une jouissance d'être. Une jouissance de découvrir que tu t'effondres sur toi-même, que tu es le château de cartes qui s'effondre sur soi-même. Ça, c'est un niveau qui existe en toi. Et si je l'int... Vas-y, ouais. Ouais, c'est normal. Parce que tu euh, <laughs> es sûr du niveau mental, je te parle sous le mental, non si je, te dis, si, si, je te dis, si je te le remets au niveau mental c'est accepte d'être la victime de ta propre vie ouais et là c'est pas super ça, ça grésille un peu mais mais euh, accepte, accepte de t'effondrer et pas que toute seule aussi en face des autres parce que dans une relation t'es pas juste une victime ou un bourreau ben en fait on les rôles tournent au fur et à mesure Voilà ce que je peux dire pour toi, Sandrine. Avec plaisir. Oui. Alors, l'enregistrement sera sur YouTube. Comme c'est un webinaire qui est public, ben en fait, euh, la conversation sera euh, en, sur YouTube lorsque je la mettrai demain. Sachant que là, les gens, les, les gens voient ce que. Euh, ce que euh, entendre ce que je dis sur YouTube mais ne t'entends pas toi et donc du coup la seule, la seule différence c'est que lorsque je vais mettre la vidéo bah on on t'entendra aussi voilà bonne soirée à toi salut ok alors Euh, la personne suivante. Euh, ah oui, donc avant d'accueillir Dio, Dioli, Donc les mails privés, j'envoie un mail hebdomadaire dans lequel, euh, bah, comme, euh, comme vous l'avez reçu celui d'hier, j'envoie des clés de résolution. Donc je décrypte, je décortique la structure inconsciente autour d'un sujet. Donc comment fonctionne l'humain à un niveau profond autour d'un sujet. Et je donne évidemment les clés de résolution. Donc souvent c'est un sujet qui me touche personnellement. Parce que j'aime vraiment euh, être mon propre sujet d'étude, c'est ultra égocentrique. <laughs> Et en gros, euh, bah, je vous en fais profiter. Comme ça, vous pouvez vraiment voir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ensuite, euh, j'envoie aussi des chapitres de mon livre. Donc ça fait à peu près euh, depuis 2019. Ça fait depuis 2019. Euh, que je fais euh, cartographie de l'inconscient humain. Et donc il y a énormément de questions-réponses. Ces questions-réponses, je les mets progressivement par écrit et euh, bah, de, ça va en faire un livre. D'ici peut-être un an, deux ans, il y a un livre qui va sortir, c'est le projet. Et euh, j'envoie de temps en temps donc, euh, des chapitres du livre. Donc vous pourrez, vous aurez, euh, vous pourrez décrir, découvrir en exclusivité le livre, sachant que les personnes qui sont euh, abonnées à, euh, aux mails privés, qui s'appellent les mails au cœur de l'humain, euh, auront droit à des réductions sur le livre et j'envoie aussi des réductions régulières sur euh, tous les ateliers collectifs que je fais. Et par exemple, il y a un stage du 15 au, mai, du 18, du 15 au 18 mai, pardon, un stage en forêt. Euh, c'est à Lacano-Océan de mémoire. Euh, donc ça dure trois jours, 15, 16, euh, du 15 au 18 du coup. Et euh, qu'est-ce que c'est que ce stage en forêt Eh bien, euh, oh Dieu. Comment je pourrais dire ça clairement En fait, on va jouer en forêt. On fait faire des jeux, euh, du land art, etc. etc. Et euh, grâce à ça, la structure inconsciente peut se mettre à jour. Sachant que euh, comme on ne fait que jouer toute la journée, il n'y a pas vraiment de sujet qui est posé. Donc en fait, le mental, pff, il est coupé. Ça permet au maximum de rentrer dans le pouvoir de la matière, donc le pouvoir du corps principalement. Sachant qu'à la fin de chaque journée, bah, je renvoie à chaque personne quelles ont été les informations d'évolution pour elle, quelles, quelles ont été les clés de résolution pour elle aujourd'hui. Donc ce stage coûte, euh, normalement un stage ça coûte 304 euros. Là je fais une réduction de 54 euros, donc euh, qui, sont, euh, qui réduit à 250 euros de mémoire. Sachant que c'est une réduction qui est évidemment exclusive pour euh, les gens des mails, euh, des mails privés. Autre truc hyper important, il y a euh, une limite de 12 personnes. Donc il y a 12 personnes, 12 participants maximum. Donc si vous êtes intéressé euh, de, participer, de se participer à ce stage, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Donc je vous envoie le, euh, le lien sur le chat YouTube. Euh, sachant que sur place, il y aura. Euh, L'hébergement est gratuit, euh, est totalement gratuit. On a la chance d'être euh, accueilli de A à Z. Et en plus, il y a une cuisinière, donc euh, une fille, Lucille, euh, qui fait de la cuisine crue et végétale. Et donc tout ça, c'est sur le lien que j'ai euh, mis en description. Alors, sur ce. Euh, ben, j'accueille Dioli. Bonsoir à toi, Dolly. Dolly, pardon. Non, c'est pas obligé. C'est juste que c'est un peu plus sympa. Bonsoir. Oui. Ah oui, je m'en souviens. <laughs> <laughs> ok. Euh, alors, il y a plusieurs, niveaux à ça. À la fois, il euh, y a un côté honteux sur ta personne. Si je veux vraiment dans le fond du fond, t'as une honte sur qui tu es. Et donc, euh, alors, est mêlé à une structure égocentrique. Alors, ça ne veut pas dire que t'es égocentrique. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est juste que t'as un fonctionnement profond, un fonctionnement inconscient qui est basé sur de l'égocentrisme. Mais t'inquiète, tout le monde c'est pareil parce que on pense qu'on est le centre du monde et c'est juste que tu, tu mélanges deux niveaux, t'es bien le centre du monde, mais pas dans la matière. Dans la matière, les autres sont avec eux et se foutent fout de ta gueule, c'est à dire qu'en en fait on s'en fout de toi, quoi. C'est à dire que euh, c'est juste que t'es honteux. S'il y a vraiment un, un truc à retenir euh, bête et méchant de ça, c'est que euh, ben. Euh, T'es un peu honteux euh, de savoir un peu pudique, même. Il y a une sorte de peu de, de pudeur chez toi dans ta structure qui est là. Euh... Alors, tu envie de te mêler aux autres, ouais. Tu as envie de te mêler aux autres. Euh, donc derrière ta structure, est, elle est branchée à fond sur du sexuel, si tu veux, sur une énergie sexuelle liée à la sexualité, si tu veux. Euh, la sexualité, c'est du mélange. Tu as envie de te mélanger aux autres. Donc euh, voilà ce que ça renvoie pour la structure. Euh... Alors, parce qu'en fait, mon objectif pour toi, c'est euh, pour toi, mais c'est pour toutes les personnes qui viennent, euh, qui viennent, que ce soit en coaching, en séance ou euh, en webinaire. C'est de les mener sur, un, un, sur une clé de résolution concrète. Parce que ce, euh, se branler intellectuellement avec des informations, ça sert à que dalle. Euh, vraiment, je tiens, je tiens vraiment à le dire parce que euh, c'est hyper important. Euh, alors, si je te renvoie à un truc un peu plus concret. Euh, donc, tu es sur deux. Alors, j'en étais où J'en étais à ah, pudeur, pudeur extrême, tu as envie de te mélanger, tu as envie de t'oublier. Ah d'accord en fait. En fait, euh, ok. Bah fais-toi remarquer. Si je dois vraiment te donner une clé de résolution, fais-toi remarquer. Donc en gros c'est comme si je te disais mais fous-toi à poil devant les autres. Sauf que je t'invite pas à faire ça physiquement parce que sinon tu vas terminer au poste. Euh, mais je te dis simplement bah en fait accepte d'exprimer de, 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 réellement. Bah, ce que tu ne mets pas dans la matière, tu le mets au niveau subtil. Donc, C'est-à-dire lorsque tu n'es pas vu pleinement dans la matière, parce que c'est ton soi le plus profond. Dans cette thématique-là, c'est le, le souhait, j'ai envie qu'on me regarde, mais assume d'être égocentrique, et, et pose de l'égocentrisme, pose de j'ai envie qu'on me voit ». Et donc commence à, à construire des, 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 des stratégies, des stratagèmes, des actions, des choix qui ont pour, qui ont pour origine, qui s'enracinent dans. J'ai envie qu'on qu 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 me voit. J'ai envie de me faire remarquer. Et donc du coup, bah arrête de te branler à nous. Quoi. Arrête de, de, de te masturber intellectuellement sur ça et commence à, à rentrer dans le concret des choses. Parce que sinon, ça sert à que dalle ce que je suis en train de te dire. Vraiment que dalle. À toi de voir. Alors, il y a autre chose. Euh, donc, en fait, euh, la jouissance de soi, et je le répète, la jouissance de soi n'est pas le plaisir. La, le plaisir. Le plaisir humain, c'est totalement autre chose. Le plaisir, ressentir du plaisir, bah, je bouffe quelque chose, je sens du plaisir. J'ai une relation sexuelle, bah, je ressens du plaisir. La jouissance de soi, c'est la jouissance d'être. Donc, c'est la jouissance de l'être. Euh, chez toi, elle est connectée à de la frustration. Et à du je me cache. Donc plus je me cache, plus je suis frustré parce que je ne, euh, je ne, je ne m'exprime pas. Donc plus tu te retiens d'être toi, plus tu jouis. Ouais. Bah d'être qui tu es. Au fond tu souffres. Au fond, tu, tu souffres de l'autre. Tu souffres de la présence de l'autre parce que l'autre euh, peut potentiellement te détruire et c'est pour ça que, te, que tu te caches. Peu importe. Il y a une part de toi qui résonne sur l'autre peut me détruire. Et donc du coup, euh, tu, évites, tu, tu évites que l'autre ne te découvre et pour ça, tu te caches. Et tu poses de la jouissance sur ça. Donc en fait, la deuxième clé de résolution pour toi, c'est accepte de, de commencer à détruire l'autre. Et de venir, comme je disais tout à l'heure, hein, de venir avec cette intention-là. Et donc de montrer à quel point tu es aussi pulsionnel que les autres. Et que tu peux être donc c'est accepter de connecter l'animal en toi. Hein. Ouais. On, on, on est sur ça. Hein. Bah en fait, remplace tes mets par des donc. Parce que si tu le sais, ça veut dire que tu n'as pas besoin de moi. Si tu pas besoin de moi, ça veut dire que tu es apte à acter les choses. Donc, petit conseil, à la place de dire je sais mais, et ben dis je sais donc, et après, tu complètes et tu fais. rentre dans ta violence, la clé elle est là. C'est que tu auras mille excuses qui vont, qui vont potentiellement se poser sur le chemin de rentrer dans tes pulsions animales. Tant que tu es dans une considération intellectuelle où tu regardes de loin en te disant Ah oui mais il euh, y a ça, Ah oui mais il y a cette résistance, Ah oui mais euh, j'ai cours de poney à 16h, en fait, euh, tu n'avances pas réellement. Rentre dans tes pulsions animales. Rentre dans tes pulsions animales. Tu sais pas ce que ça va faire. Je te dis juste que la clé de résolution, c'est rentre dans tes putains de pulsions animales. Euh, bah si, au final, tu le sais, tu le sens. Mais passe de pa passe de, passe de l'esprit au corps. En gros, c'est. Bah, en fait, contente-toi pas que Oui, parce que t'auras beau euh, tergiverser en l'air, en travers avec moi, avec tout le monde, avec toi-même. Arrête de te dire les choses. Rentre dans les pulsions de ton corps. Rentre dans les sensations de ton corps. Et donc là en gros je suis en train de, de, de titiller ta notion de contrôle qui ne veut, qui veut pas lâcher l'affaire. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je te répète la même chose. Rentre dans tes. Lâche le contrôle et rentre dans tes pulsions, rentre dans ton corps et lâche la grappe à ton esprit. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu ne sais pas quels vont être tes choix. Mais en fait, tu ne sais rien. Tu ne sais rien de la vie. Tu ne sais pas comment les gens fonctionnent. Tu ne sais pas ce que, qui va t'appeler dans 10 minutes. Tu ne sais pas quelle action tu vas faire demain. Tu ne sais pas quelle pensée tu vas avoir dans 30 secondes. Tu veux juste contrôler ton monde. Donc, je conse enfin, clé, conseil, lâche le contrôle, accepte de perdre le contrôle, d'abandonner, d'abdiquer pour rentrer dans ton corps. Et le corps répond ⁇ animal ⁇ Donc, conclusion, rentre dans ton animalité. Enracine-toi dedans et laisse-toi agir, laisse-toi parler, laisse-toi choisir. À partir de ça. Mets ton corps avant ton esprit, pas l'inverse. Ouais, <laughs> non, parce que depuis tout à l'heure... En fait, tu, le truc, c'est que tu joues, tu joues double jeu. Tu t'essayes, t'as as un mental contrôlant. T'as as, as une partie de ta structure qui est contrôlante, sauf que derrière, tu dégueules tu l'animalité. Dégueules Pour oh, ton animalité. Au lieu, de, au lieu de jouer inconsciemment avec cette énergie et de te laisser, mais joue consciemment avec cette énergie, c'est là que tu auras du plaisir. assumer Bon, bah applique alors si ça te parle. <laughs> c'est tout ce que j'ai à dire, Dioli. Ah, bah j'espère pour toi. Je te souhaite une bonne soirée. Salut. Ok, c'est qui qui veut passer après Alors, en attendant qu'il y ait quelqu'un lève la main, donc je disais, euh, dans les mails, j'envoie toujours des, euh, des réductions sur les ateliers collectifs. Le Prochain atelier collectif, c'est euh, le stage en forêt qui, qui se passe du 15 au 18 mai à Lacano Océan. Donc, c'est un stage qui coûte normalement 304 euros. Donc, mais sur le mail d'hier, par exemple, j'ai envoyé une réduction avec un code promo secret euh, pour avoir 54 euros de réduction, donc ce qui baisse le prix du stage à 250 euros. Sachant, sachant que ce stage est un peu spécial parce qu'on aura la chance d'être accueilli dans la maison d'une cuisinière. Donc, une cuisinière, c'est quelqu'un qui fait de la de la cuisine crue et végétale, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et donc, euh, le stage inclut aussi euh, des repas, euh, donc un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner pour 40 euros par jour. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Euh, donc après, le, après le webinaire, j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, le, du, 12 au, du 10 au 12 mai, je serai à Fontainebleau. Donc là aussi, tout est dans la description euh, sur mon site. Anglais, euh, alors c'est quel onglet c'est euh, les prochaines dates, donc les prochaines dates des ateliers. Ensuite, d'autres ateliers collectifs qui arrivent le dimanche 3 mai, je crois, 3 mai Peut-être, c'est 3 mai Oui, c'est le dimanche 3 mai. Il y aura une chirurgie informationnelle, un atelier collectif qui coûte 20 euros. Ensuite, le 22, euh, non, non, le 3 avril, pardon. 3 avril, chirurgie informationnelle collective, 22 avril, euh, conférence Vivre le changement. Donc, c'est une conférence un peu spéciale parce que c'est une conférence qui n'a pas, euh, pas de thème préétabli. Donc, c'est une conférence surprise euh, qui se passe en trois étapes. La première étape, je fais jouer les gens. Donc, c'est une conférence en ligne. Hein. Je fais jouer les gens. En général, je peux les faire dessiner, je peux les faire interagir entre eux. Entre eux. À partir de là, je, je verbalise ce que la structure inconsciente me renvoie, et à partir de ce qu'elle me renvoie, j'exprime un sujet. Et à partir de ce sujet, les gens peuvent me poser une question. Avec ce système-là, c'est la certitude que les, euh, le, les clés de résolution s'enracinent dans ce que vous avez vraiment besoin d'expérimenter et de résoudre et de guérir en vous. Donc voilà un peu comment ça se, euh, ça va se goupiller pour les prochains ateliers collectifs. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet donc samuelannibal.com. Alors, en attendant, personne qui veut, personne qui veut venir. Véronique, tu as une question Christine Allez. Parce que sinon là. Le webinaire est terminé. Enfin, vous dire. Euh, en attendant que il euh, y a une question qui. Il y a une personne qui lève la main sur Zoom. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, venez sur Zoom. Euh, comme je l'ai dit dans le mail d'hier, cartographie de l'inconscient humain devient bimensuelle. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ce ne sera plus toutes les semaines, ce sera une fois, euh, donc deux fois par mois. Entre j'ai intercalé euh, un nouveau webinaire qui s'appelle Les sous-titres sous du monde. C'est euh, un webinaire qui a pour objectif, ça peut être un, un événement du passé, ça peut être un, un événement du présent, euh, pourquoi tel président et pas un autre, etc., etc. Que ce soit un sujet économique, religieux, spirituel, euh, scolaire, bref, peu importe, tout sujet concernant le collectif est OK. Euh, L'objectif, c'est de, euh, de voir comment fonctionne le, euh, le, le collectif humain de manière inconsciente et dans, de mettre de la clarté d'esprit sur, euh, sur tout ça. Et surtout, je renvoie des clés de résolution pour le groupe qui ont pour but de faire en sorte de comment moi, en tant qu'individu, je peux résoudre ce truc collectif. Je peux résoudre cette problématique collective. Alors, personne n'a de questions Véronique, toujours pas Sandrine est déjà passée Christine Monique Non Ah bah. Il est quelle heure Ah bah je vais terminer tôt, c'est cool. Ah Je sais plus. Parce que moi, j'allais être en repos. Je t'entends mais je te vois pas. Voilà, avec ça là. que la lumière soit. Ah bah sinon euh, ouvre ton micro directement, te prends pas la tête. Bonsoir à toi. Yes. Ouais. Uh mm huh. -hmm. Okay. No <laughs> <laughs> ouais. way. Awaye mm. kayan. shift qui se fait ouais en fait ce, ce que tu vas voir euh, te dérange alors si je pose les bases l'être humain est tout puissant donc en fait toi tu sais tout sur toi pas au niveau conscient évidemment parce que sinon tu pèterais un câble parce que tu peux pas avoir la totalité de toi même voir toutes les facettes que tu es simultanément en même temps c'est pas possible le conscient humain ne peut pas supporter ça euh, donc il y a un schisme qui se fait un côté conscient, un côté inconscient. Et donc, ça, c'est un jeu de scène, c'est un, un jeu de pièce de théâtre. Toi, le conscient, en tant que conscient, tu dis bon, je vais méditer et je vais pouvoir aller me regarder en profondeur. Sauf que, manque de bol, ce que tu. As au niveau inconscient, l'information que tu veux avoir au niveau inconscient, te dérange profondément. Donc, ce que tu trouves, bah, c'est un stratagème pour pouvoir. Bah, ne pas voir en conscience cette information. Et pourquoi cette, cette information te dérange Parce qu'elle vient euh, faire bouger l'image que tu as de toi. Ça bouge, ça modifie l'image que tu as de toi, la version, le scénario que tu te fais à propos de toi-même. Et donc, c'est là où je commence à renvoyer des informations plus intéressantes. Il faut à tout prix que... Tu. Comment je pourrais dire ça Valide qui tu es, que tu contrôles l'image que tu as de toi. Il y a une forme de, de crainte à, révéler, à te révéler à toi-même, et à donc à révéler à l'autre personne qui est en face de toi, ou aux autres, euh, des choses que tu ne contrôles pas, que tu ne sais pas à ton propos. Et donc souvent, bah. En tout cas, ce que je suis en train de toucher dans ta structure, bah c'est des, des émotions profondes, ce sont des pulsions, ce sont toutes les choses que tu ne sais pas à ton propos, qui ne sont pas forcément rationnelles, que tu n'as pas encore apprivoisées en toi, mais qui sont quand même là. Donc, il euh, y a autre chose, oui, il y a autre chose. Alors. Il y a une forme de colère qui monte en toi. Enfin, qui monte. T es, t es, t es, ta structure, elle est connectée à une colère profonde. À une sorte de. Alors. De grondement. De, t'es es un peu courroucé, j'ai envie de dire. Comme si t'avais tout le temps cette, ce côté courroucé, ce côté en colère. Même pour rien, t'es en colère, en fait. T'as toujours ce. Comme il y a des gens qui ont un, un voile de tristesse derrière leur regard, toi, as un voile de colère derrière ton regard. Et en fait, il y a un truc qui t'appelle là-dedans, Monique. Il y a quelque chose qui t'appelle profondément là-dedans. Quelle sensation est venue mmh. Mais bien sûr, on est sur ce sujet ce soir, on est sur, on est sur, le, sur le sujet de la famille. <laughs> Assumer la colère, c'est quelque chose, c'est un processus. Donc, oui, est-ce que c'est ça. En fait, comme je ne sais plus à qui je le disais, bref. Euh, non, ce n'était même pas dans ce webinaire, c'était dans une séance que j'ai faite tout à l'heure. Euh, en gros, ta famille est un terreau à partir duquel tu vas former et construire tes propres choix, tes propres attitudes, ta propre destinée, tes propres énergies. Et. Tout ça est de ta responsabilité. Sauf qu'à la base, on n'en a pas conscience, forcément. Euh, là, ce qui se passe, c'est que tu tu t'en doutais. C'est pour ça que je te disais, tu voulais pas trop aller vers euh, quelque chose de. Parce que euh, tu disais, ah, peut-être que. Euh, mais je n'ose pas. et En fait, c'est confirmer que oui, tu es en colère. Oui, tu as envie de leur foutre des tartes, en gros, ta famille. <laughs> si vraiment je dois rester simple et pragmatique, tu as envie de leur foutre. Des dans la tronche. Et c'est légitime. Donc on est là, chez toi, on est vraiment sur légitimise cette souffrance. Parce que derrière, derrière cette colère, c'est la colère de ne pas avoir été entendue, de ne pas avoir été acceptée. C'est quelque chose qui est là. Et en fait, cette colère, elle, elle est là pour te dire, mais hé hey, ma cocotte, il va falloir penser à toi. Il va falloir... Avoir ton propre espace dans lequel tu puisses, parcours, que tu puisses parcourir librement et que personne n'a le droit de te dire, chez toi, euh, bah, tu vas manger ça, tu vas t'habiller comme ça, le meuble il est mieux là-bas, bah non, c'est pas des oignons, mec. Et donc, du coup, il y a vraiment cette, cette notion de remettre des, les points sur les i et les barottés, comme on dit. Et donc, ce à quoi ça te. Euh, ce à quoi ça te rebranche, ce ta, ça te reconnaît petit à petit, donc c'est ta propre autorité. Mais c'est ta capacité à être ton propre père et ta propre mère, surtout. Donc toi, tu es terme dans une voie d'intégration du masculin et du féminin. Donc du, du père et de la mère. Donc c'est le père sécurise à l'extérieur, la mère sécurise à l'intérieur. Le divin, c'est la réunion des deux. Donc c'est un être qui a connecté son divin, si je te résume le truc, c'est quelqu'un qui est capable de poser son regard à l'intérieur de rentrer dans un processus d'acceptation, d'accueil de tout ce qu'elle perçoit d'elle-même, bon comme mauvais, ombre, lumière, vrai, faux, peu importe. Et le masculin, qu'est-ce que c'est eh ben C'est prendre racine là-dedans et, et en faire un contexte extérieur, un choix, euh, une action, une parole. Et ça, ça veut dire je prends soin de moi. Ça, ça veut dire tu prends soin de toi. Et donc, elle est là, si je dois résumer la clé, pour toi, Monique, c'est ça. C'est comment tu peux prendre soin de toi, sachant que chacun a son territoire. Toi, en tant qu'individu, tu as le tien. L'autre, en tant qu'individu, a le sien. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. Lorsque tu en c'est Comment je fais à partir du moment où je rentre en communication avec quelqu'un Toi, euh, en tout cas, ta structure, elle est sur une base de... Euh, bah, en fait, je ne montre pas colère, parce qu'il ne faut pas montrer ça. La colère, c'est quelque chose qui te mène à exprimer des choses beaucoup plus profondes. Donc, je t'ai dit de la souffrance, du « je n'ai pas été entendu », mais aussi, et ça, c'est très très important pour toi, c'est « qu'est-ce... ok ». Euh, T'as pas été entendu, etc. Et tout ça est légitime. Mais qu'est-ce que tu fais pour te lier à l'autre Je te donne un exemple. Il y a euh, ton cousin, parce qu'on parle famille, euh, et, ou ton frère, ou ta mère, et il y a toi. Donc il tu... y a tout ce background, il y a tout ce, cet historique, ce passif entre vous qui fait que dès que t'es dans sa présence, il y, y a une colère qui monte. Cette colère, c'est auquel l'utiliser Déjà. Parce que cette colère, elle te met sur la voie d'évolution, de, de t'occuper de toi, de prendre soin de toi. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne vas pas accepter, il y a des choses que tu vas accepter. Pourquoi Parce que tu as des exigences. Des exigences, et ces exigences prennent appui sur tes besoins. C'est du concret, c'est du pragmatique. Comment tu peux prendre soin de toi Mais ça légitime toi. T'es en train de construire, t'es en train de déconstruire le lien que tu penses nourrissant avec ta famille, parce que tu es encore sur un mode infantile. En gros, il y a une part enfant nourrissant à l'intérieur de toi qui a toujours besoin du, du repère familial. Et c'est OK. C'est OK. Simultanément bah, toi tu n'es plus un nourrisson, tu es un adulte. Du coup, pose aussi le côté je me je pose le, je deviens mon propre parent et je me nourris de moi. C'est-à-dire que si je rentre dans le, dans le détail, euh, en tant que nourrisson, c'est toujours l'autre qui doit faire un pas vers toi. Prendre la responsabilité. En fait, assume le rôle que tu as dans la famille. T'es là pour foutre la merde Entre guillemets, hein Bah, foutre la merde. T'es là pour remettre les points sur les i ben, remets les points sur la vie, là pour mettre les barreaux, ben, mets les barreautés. C'est assume là où tu en es dans ta vie parce que c'est le rôle qui te nourrit. Si foutre la merde dans ta famille, sachant que c'est pas foutre la merde pour foutre la merde, tu fais ça pour toi, pour prendre soin de toi. Et donc tu as une réaction épidermique parce que tu passes d'un extrême à un autre et c'est normal. À un moment donné, tu vas, tu vas retrouver l'équilibre, vraiment la voie du milieu. Es en train de te, de, de, tu, tu commences à te nourrir de toi, en gros, avec tout ça. C'est quoi? Oui, parce que tu oublies de dire les choses au fur et à mesure. <laughs> et comme tu as accumulé des choses derrière, donc forcément, lorsque ça sort, bah c'est un volcan qui rentre en éruption. Donc il vaut mieux pas trop être dans les parages. <laughs> et c'est... Euh... En fait, ok. L'histoire que tu te racontes de J'ai été blessé enfant, elle est légitime sans être légitime. Elle est légitime parce que oui, ça fait partie de ton passé, ça fait partie de qui tu es, mais en même temps, tu prends excuse de ça pour rester collé euh, au jupon de ta mère. quoi. Et donc, rester dans le repère familial. Tu es une un vraie sur son rocher, quoi. c'est une vraie moule à son rocher. Tu ne veux pas lâcher le repère familial, même négativement. Et que ce soit positivement ou négativement, pour toi, ton objectif, enfin, l'objectif de ta structure, l'objectif caché, c'est. Le, la famille est absolue. La clé de résolution sous-jacente pour ta structure, c'est détruit le symbole de ta famille. Détruis ce que ta, ce que ta famille veut dire pour toi. Et ça, c'est une destruction, c'est une mort, parce que ça va des parts de toi vont mourir, et c'est par de toi qui avait construit des relations avec des gens. Bah, ces relations vont peut-être mourir, peut-être qu'elles vont se transformer. Et qui dit mort, dit renaissance. Et là, j'ai touché vraiment le fond du fond. Alors, est-ce que tu vas t'endormir en air C'était ça le sujet. On est allé loin quand même depuis les méditations. Euh, ah ouais, je m'en rends pas compte. Euh, les méditations, en fait... Si vraiment ouais, je vois y vous allez. Ça me dit ok j'y vais. Euh, par rapport aux méditations, en fait si, c'est ok si tu sais qu'au bout de deux heures tu tu t'endors, bah médite une heure et demie, ça ira très bien. Tu vois. Si euh, déjà donc, ça c'est un truc très concret. Ensuite euh, méditer c'est pas juste être, être assise confortablement en tailleur et faire des oh, des trucs comme ça. Ça c'est pas de la méditation. C'est une forme qu'on a donnée à des méditations. La méditation c'est un état. C'est un état de conscience. C'est un état de conscience de ce qui se passe dans l'espace de conscience que je suis. Ça, que tu sois assise à, faire, à méditer, que tu sois en train de faire la vaisselle, de faire les courses, de faire la cuisine, de parler à ta mère, de parler à ta fille, euh, d'être à ton boulot, c'est un état de conscience. Vas-y, fais-moi rire. Mmh. Bah oui. Donc, trouve la forme. Mais en fait, on dit aux autres ce qu'on a besoin d'entendre. C'est valable pour moi, c'est valable pour toi, c'est valable pour les 7, 7 milliards d'êtres humains qui existent sur Terre. On ne parle qu'à soi-même, les amis. Donc, en fait c'est un, un coup à prendre c'est un apprentissage que de, de, en même temps de dire bah ouais moi je te conseille ça va méditer en forêt, fais de la pâtisserie tu vas voir tu vas méditer, en même temps je me le dis à moi, et c'est tout le jeu de l'apprentissage de l'être humain que de s'apercevoir quelques semaines plus tard, ah mais ouais je l'avais de ça mais en fait c'est aussi pour moi c'est parfait est parfait donc tu vois trouve ta forme de méditation celle qui fait celle qui résonne je prends soin de moi toujours mais méditer c'est pas juste être en paix la paix je dis je fais une petite digression après j'arrête parce qu'il y a d'autres personnes derrière enfin je pense si chris veut euh, poser une question euh, c'est euh, L'état méditatif, c'est l'état naturel de la conscience. Au sein de cet espace de conscience, il y a plein de phénomènes, émotions, sensations, pulsions, pensées, croyances, euh, plein d'histoires qui se racontent, je suis malade, je suis ceci, je me sens comme cela. Euh, et toutes ces tous ces objets qui sont dans cet espace de conscience ne modifient en rien cet espace de conscience, exactement comme... Bah, là tu es chez toi je suis euh, pas chez moi mais je suis dans une maison il y, y a plein d'objets dans cet espace le fait qu'il y ait le pc moi le canapé euh, le, la cheminée ou quoi que ce soit n'entame pas ne détruit pas ne modifie pas l'espace qu'il y a L'espace n'est pas supprimé parce que euh, bah parce qu'il y a euh, une machine à coudre en plus quoi. Donc en fait, l'état naturel de ta conscience, qui est méditation, méditatif, n'est pas entamé par la colère. Donc accepte de vivre ça. Accepte d'être le témoin, la témoin de cette colère, tout en la vivant au niveau humain. Voilà, la, voilà le truc. Et avec ça, on est bon, Monique. Merci pour ta question. Je te souhaite une bonne soirée. Salut. Ok. Euh, Pascal, si tu veux poser la question. Donc, si vous voulez poser une question. Euh, donc, ça se passe sur Zoom. Le lien Zoom est dans la description de l'événement YouTube. Donc, il y a la vidéo YouTube qui est là. Juste en dessous, il y a un lien. Euh, je ne saurais pas dire le, le contenu du lien. C'est. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué déjà Je ne sais pas si je peux y accéder en direct. Euh, non, je ne peux pas y accéder. Euh, si, je peux y accéder. C'est le webinaire est en direct sur YouTube, mais pour me poser ta question, il faut cliquer sur le lien Zoom. Et ça, c'est dans la description, qui est juste en dessous du titre et de la vidéo. Donc voilà pour les explications techniques. Ensuite, si ma méthode, euh, ma méthodologie vous intéresse. Et que vous souhaitez euh, bah, vivre un entretien individuel avec moi, donc euh, c'est exactement le même processus. Euh, tu me poses ta question, euh, ou, as, ou tu m'exposes ta situation, et moi je vais euh, voir ce que raconte ta structure inconsciente. Donc, grâce à quoi bah, Grâce à cette capacité euh, de clair informant qui est bah, être capable d'être euh, conscient. C'est une conscience spontanée des causes, euh, des choix et des, des fonctionnements inconscients. Euh, derrière une situation, un discours, euh, une action, une attitude, etc., etc. Donc une séance d'une heure, c'est 80 euros. Après, je propose des coachings plus longues durées, mais ça, tout est sur mon site internet samuelannibal.com. Ensuite, j'ai créé, connecté plutôt, ce serait plus, euh... ouais, ce serait plus honnête de ma part. J'ai connecté il y a pff, pas mal de temps, mais bref, euh, une, nouvelle, une nouvelle méthode. Euh, que j'appelle la chirurgie informationnelle. Cette chirurgie informationnelle elle a pour but de connecter le flux d'informations de la structure inconsciente au corps physique. Donc en gros, euh, la personne me pose sa question ou sa situation et moi bah en fait vous me voyez agiter euh, mes mains dans l'air et en fait je reconnecte à la fois les organes, euh, le système euh, veineux, sanguin, euh, le squelette, les articulations, les, les tendons, etc., etc., au flux d'informations. Et ensuite, je vous renvoie vraiment quelques clés très, 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 très minimes, juste de quoi faire en sorte que le mental sache où il en est et que vous ayez euh, euh, des repères, tout simplement. Ok, alors. Il y a plusieurs personnes qui se sont connectées. Bon. Qui veut passer On dirait que je suis prof là en faisant ça. <laughs> ça fait trop bizarre. Alors, bon, euh, la personne qui veut euh, lever la main ou activer votre micro si vous voulez passer. Comme ça, ce sera plus simple. C'est qui C'est Christine. Ah. Ok. Ah oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Mmh. <laughs> D'accord. Ouais, chirurgie informationnelle. Merci. Euh, rapport à la mort, et c'est quoi les deux autres Alors, il faut voir lequel est prioritaire pour toi. Hein. Ouais, <laughs> je me doutais. Euh, alors, fatigue. T'as une fatigue Alors, voyons ce que ça cache. La fatigue, qu'est-ce qu'elle dit T'as dormi 12 heures et t'es fatigué Ah, ouais, il y, y a un truc que t'as pas intégré. Euh, t'es épuisé parce que euh, tu te reposes pas vraiment, même si tu dors 12 heures. La qualité du sommeil n'est pas égale au, au nombre d'heures passées dans son lit. Et euh, il y a un truc qui t'épuise et t'arrives pas à lâcher le morceau. T'arrives pas à fuir. Ah, ouais, il y a un truc comme ça. Alors, euh, t'arrives pas à fuir, t'arrives pas à lâcher le morceau. C'est ton rapport euh, ton rapport à l'autre. Ah oui, c'est ça. Ouais. T'as un rapport au masculin qui est conflictuel. Et Donc du coup euh, euh, t'arrives pas à, à sortir de la boucle de, de combat. À sortir de, la, à la, de sortir de cette boucle de combat où t'es sans cesse en train de, de combattre. T'es sans cesse en train de... Voilà, il y, y a une forme de méfiance vis-à-vis -vis de l'autre qui est posée dans, ta, dans ton rapport à l'autre. Euh, ok, ouais, donc c'est bien ça qui t'épuise. Euh, parce qu'à la fois, tu attaques parce que euh, tu, te sens, euh, tu te sens attaqué. Et donc du coup, tu espères, en attaquant, ne plus te sentir attaqué. Donc c'est ta, ta, ta sécurité que tu cherches. Tu cherches à te sentir en sécurité. Euh, sans savoir vraiment comment faire. Ah oui, mais le masculin n'a pas de sexe. <laughs> le masculin, c'est pas les hommes. Sinon, j'aurais dit les hommes. L Énergie masculine, si tu préfères. L'énergie masculine, en fait, te fait te fait flipper totalement. En fait, toute forme d'autorité te fait flipper. Parce que euh, toute forme d'autorité... Ah oui, ça c'est le côté autoritaire dont tu parles, c'est la, ma la manière dont tu captes ce que c'est l'autorité. Donc pour toi, quelqu'un quelqu qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui est de l'autoritaire. Et le côté autoritaire, c'est pour te protéger. Et en fait, tu ne te lis pas aux autres. Tu ne te lis pas à l'autre pour. Euh, L'épuisement, il est là. Hein. Tu ne te lis pas à l'autre pour communiquer, pour rentrer dans une forme de jeu de danse. Tu te lis à l'autre parce que tu as peur de l'autre. c'est pour ça que tu poses cette, euh, ce côté autoritaire. Parce que pour toi, la communication avec l'autre sert à te protéger. Donc tu es sur une dynamique de survie euh, et pas de création, si tu veux. Tu es sur le premier chakra et pas le deuxième, si je te parle en termes de chakra. Euh, ok. Ouais, il ouais, y a une tension. il hein. y a une tension. Il il y a de la tension. Euh... Non, non, de la tension. En deux mots, euh, t'as une tension qui est là. Euh... Alors, qu'est-ce qu'elle raconte derrière Ouais, mais c'est ça. Hein. C'est, euh, tu euh... Tu, tu, touches, tu touches une peur profonde, donc ça génère une tension profonde. Et donc ce que ce que euh, donc cette énergie, ce fonctionnement dont tu es en train de prendre conscience, c'est ce qui est à la base de tes relations. Hein. Et donc c'est à partir de ça que tu en fait, tu projettes cette tension sur l'autre parce que c'est à l'autre de s'occuper de toi. D'où le rapport au masculin. Hein. Parce que le masculin, c'est ce qui est à l'extérieur, en gros. Euh, derrière ça, il y a de la souffrance. Derrière ça, il y a de la, donc il y a de la peur. Derrière cette peur, il y a, euh, ah ok. Derrière, c est, c est der... Der... Ouh, je vais y arriver. Il faut que je me calme. <laughs> derrière cette peur, il y a une notion de, euh, je suis flottante. Je me sens flottante sans avoir de, ouais. Encore une fois, des repères. En fait, tu cherches à avoir des repères. Tu cherches à avoir quelque chose de stable qui euh, te permette de euh, comment je pourrais dire ça euh, Tu souhaites avoir une quelque chose de stable, un repère stable. C'est ouais, ça que je suis en train de toucher. Un repère stable qui ne te trahisse pas. Ah, la notion de trahison chez toi. Ok. Donc ton rapport au masculin, ton rapport à l'autre de manière générale, donc à ce qui est à l'extérieur de toi. C'est un rapport de trahison, un jeu de trahison, où tu, vas faire, où tu vas faire attention à ne jamais te faire trahir. Ouais, on est sur ça. Tu fais en sorte de ne jamais te faire trahir. Tu veilles au grain pour ne jamais te faire trahir. Jamais, 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 jamais. Te faire trahir. Sinon, ça va pas. Il faut, abso il faut absolument que tu contrôles tout. Il faut absolument que... Euh, le moindre. Euh, la moindre information qui transite soit sous contrôle. Euh, parce que ça t'est resté en travers de la gorge, hein, la notion de trahison. Non, 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 non effectivement, parce que ça, ça, ça remonte peut-être à super loin et que euh, depuis, t'as plus le souvenir parce que ça passait à. À deux ans et demi, tu étais à la crèche ou où, où, où tu veux et quelqu'un t'a pris ton doudou, quoi. Ou quelqu'un t'a perdu ton doudou et donc tu t'es dit, bah quand je donne quelque chose de moi, eh ben je me fais trahir et ça me fait mal. Donc en fait, après tu as structuré ça, mais tu n'as plus le souvenir en tête. Peu importe, tu vois. Il peut y avoir mille scénarios possibles. Euh, trahison, injustice, trahison, trahison et injustice, ça fait ça va te pair chez toi. Donc. Euh, tout le jeu pour toi, c'est de rendre conscient cette tension et cette peur et, cette, et ce jeu de je ne veux pas me faire trahir. Parce que, je le dis à toi, je le dis à moi, je le dis à tout le monde, comme d'habitude, vous voulez vous guérir, entre guillemets, je déteste ce mot, vous voulez euh, résoudre des trucs, rendez conscient, il s'agit de rendre conscient les fonctionnements et les mécanismes sur lesquels vous êtes posé et que je vous décris là. Donc ce que je suis en train de te décrire là, Christine, euh, c'est, hein, ça sert à ce que tu joues consciemment avec ces énergies. La cartographie de l'inconscient humain n'a pas d'autre vocation que ça. Ça ne sert pas à ce que vous compreniez en long, en large et en travers. Ça sert à ce que tu te fondes sur ces, ces énergies que je viens en fait, remettre à la surface de ta conscience et que tu dises, ah mais ouais, ça... J'ai pas, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pas le souvenir rattaché, mais ça me parle. Et bien du coup, appuie sur la pédale, l'accélérateur. Donc, et c'est à partir de ça que je formule mes clés de, 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 de résolution, hein, d'ailleurs. Donc, clé de résolution pour la trahison, euh, et le masculin, et l'autoritarisme. Euh, alors, il y a la notion de perdre, perdre le repère, alors, lorsque tu perds le repère, lorsque tu perds de vue le repère, t'es euh, perdu. Donc, c'est-à-dire, il y a une forte, il y a de fortes émotions qui traversent ta structure. C'est ce que je suis en train de sentir au niveau. C'est ce que je suis en train de sentir dans ta structure, en fait. Euh... Ouais. Il n'y a rien de plus seul que moi. Voilà ce, que je suis en train de... voilà ce que je suis en train de toucher dans ta structure. Ouais, mais ouais, parce que c'est comme ça qu'on valide. C'est pour ça que tu as le sourire lorsque je te dis une information qui peut-être est d'autres personnes, les autres personnes peut-être s'effondreront et toi c'est OK. Parce que c'est comme ça qu'on a validé qui tu es. Il n'y a rien de plus seul que toi, ma chérie. Et donc toi, tu assimiles ça, bah OK. Ça veut dire que je, bah je suis OK avec le fait d'être seul. Sauf que manque de peau tu as quand même aussi besoin d'être en lien. Et donc, la clé de résolution, elle est là. C'est comment tu peux te mettre en lien tout en, euh, tout en acceptant d'être vulnérable. Et être vulnérable, ça ne veut pas dire euh, que tu es un moulin et que tu laisses rentrer tout le monde dans la relation et que tu laisses libre cours au, euh, à la relation, euh, même si ça ne correspond pas à tes besoins. Ça veut dire que tu es OK avec le fait de t'effondrer à l'intérieur, de peut-être l'exprimer à demi-mot. Euh, de manière froide dans des emballages, je suis en train d'être triste, ou euh, que tu t'effondres en pleurant devant la personne. Et il y a une question de vouloir chez toi. Ah, ok. Il y a une notion de vouloir caché qui n'est pas assumée. Donc, de, 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 plein de je veux, plein de je veux, j'aimerais, j'exige, qui ne sont pas assumés et qui sont cachés. Parce qu'en fait, tu as peur de te faire rembarrer. Et donc, bah, en fait, demande. C'est bête, hein En général, euh, ça semble tellement con et tellement bête qu'on dit, bah, en fait, t'es sûr, c'est ça. Mais ouais. C'est euh, demande. Et bah, demande. Voilà. Et. Et pourquoi Parce que tu es sur la notion de masculin contrarié et que pour toi, il n'y a que l'extérieur qui peut accéder à tes demandes. Comme une petite fille avec son papa ou avec tout autre référent extérieur, eh ben, on a l'impression que si l'autre me dit non, moi, euh, on me dit non, tu ne touches pas ce cookie sur la table et eh ben, je reste comme une conne, comme ça, à côté et je regarde. Alors que là, tu es adulte et que tu peux subvenir à tes besoins. Et là, on arrive à la notion d'argent. Mais donc, du coup, pour la notion d'argent, tu vois, c'est au niveau, c'est une strate de ta structure qui est au niveau moins 5, moins 6 par rapport à la, à la question de, de la fatigue et à la surface. Et tu vois bien que plus on redescend, plus on va profond dans la structure, plus tous les thèmes ont le même, plus tous les thèmes qui ont l'air déconnectés dans la matière, dans ta vie, sont connectés. C'est un système racinaire. Donc, du coup, pour. L'argent, du coup, et on va terminer sur ça, subvient à tes besoins, demande, ose demander. Et donc c'est aussi être OK avec le fait de traverser ces zones de turbulence émotionnelle, de bah ⁇ voilà, je me sens trahi, abandonné parce qu'on n'a on, on pas, pas accédé à ma requête ⁇ Et c'est en te fondant sur aussi cette énergie de frustration, voire de colère, que l'extérieur, la personne n'a pas accédé à ta requête, que toi, tu vas pouvoir bouger pour toi. Voilà à peu près le schéma. Euh... Tu vois, c'est alambiqué. Hein bah, de toute façon, en même temps, la structure, euh, l'humain, c'est un labyrinthe. Hein Donc, euh, ça peut être que labyrinthique. <laughs> bon, bah, C'est l'essentiel. Bah, si tu veux, on pourra voir ça en, euh, en chirurgie informationnelle. Ça, y a... Ouais. Eh ben, avec grand plaisir. Passe une belle soirée à toi. Salut. Ok, y a-t-il d'autres personnes Pierrette, Véronique, Maïlis, peut-être. Pierrette. Pierrette. Comment tu vas Ouais, la caméra. Enfin, c'est toujours plus euh, agréable mon c'était toujours dans le noir donc euh... <laughs> non non mais c'est ok c'est ok y a pas de souci t'inquiète tu crois que je suis coiffé moi <laughs> alors c'est quoi ta question ou ta situation hein, comme d'habitude Tu vas terminer quand le, le stage Ah, bon, c'est normal, laisse-toi le temps aussi. Hein. Juste, pour, juste, juste pour te dire, laisse-toi le temps, quand même. Mais vas-y, au contraire, il y a, a peut-être des choses intéressantes qui vont, qui vont ressurgir, donc je t'invite vraiment à exprimer, à poser, à déposer le sujet que tu veux. Bah euh, ce pourquoi t'es es là mmh. L'attention. Oui. T'as be, be, besoin... Est-ce que tu pourrais couper le... J'ai un... Ah non, c'est bon. Je pensais entendre m'avoir un écho, mais ça va. Alors, euh, ton besoin d'attention... Ouais, donc t'as as vraiment un, un besoin, un besoin d'attention. Bon, toujours rapport au masculin. Hein. Rapport inconscient au masculin. Euh... Alors... Chez toi, ça résonne. Qu'est-ce qui me nourrit à l'intérieur euh, Tu tombes bien... Alors qu'est-ce que c'est que ça Tu tombes dans des abysses Non, pas totalement. Qu'est-ce que c'est que ce truc euh... Ah non, c'est l'exigence de tes émotions et l'exigence de tes besoins. Donc en fait, euh, tu te fais... es dans le scénario que tu n'es pas capable de subvenir à tes besoins. Et que les autres devraient être à même de pouvoir lire dans tes pensées, lire en toi et dire ah mais t'as besoin de dormir et ben bah, ouais, je te je te, je te board, si tu veux même tu vois ça sera un peu ça le délire donc euh, et lorsqu'il n'y a pas donc pour ta structure lorsqu'il n'y a pas ça bah ça veut dire que t'es euh, es abandonné et c'est pas supportable et donc cette, euh, cette, cette insupportabilité c'est bah, c'est des émotions c'est une crise. Chez toi, alors, c'est pas. C'est une crise ex existentielle. Euh, mon, ex ton... mon existence est fondée sur le fait que l'autre euh, vienne, subvienne à mes besoins. Et. Il y a... En fait, t'es sur une. toute puissance de tes besoins, précisément. Il faut que tes besoins, que qui tu es, soient perçus, que tu les perçoives comme étant tout puissant. La stratégie pour ça, c'est que l'autre s'intéresse à toi. Alors, une fois qu'on a dit ça, par quoi on va passer euh... Parce que déjà chez toi, c'est l'acceptation de ce fait-là. L'acceptation de cette, de, cette, de cette mécanique, de ce fonctionnement. Euh... Ok, alors. Euh, la clé de résolution, c'est, bah, en fait, accepte de jouer les séductrices si t'en as envie. Tu vois C'est, euh, tu veux attirer l'attention sur toi sans rien faire, bah non, il va falloir faire un truc. Forcément. Donc, ça, ça s'appelle de la séduction. C'est vraiment ce côté, euh, bah oui, c'est de la séduction. C'est du marketing, si j'ai dit autrement. Mais de la, du marketing, c'est de, de la séduction. Hein. lorsque euh, Lorsqu'on va à un rendez-vous galant, à un date, et euh, on euh, se met sur son 31, euh, qu'on se parfume, bah ça s'appelle du marketing. Hein. On maquille pas la réalité, enfin, on maquille une partie de la réalité pour présenter la meilleure face. C'est du marketing. C'est marketing et séduction, c'est la même chose, les amis. Et donc, du coup. Et donc, du coup, chez toi, déjà pour rendre conscient cette énergie, accepte de séduire. Mais séduire, c'est tellement large, c'est pas juste les relations hommes femmes C'est un peu le terme de badiner. C'est un ancien terme que j'adore. Badiner, c'est un peu. C'est de la séduction, mais impersonnelle, c'est à tout le monde. Un côté séducteur-séductrice, on va parler avec quelqu'un, une femme, puis on va parler avec un homme, on va. Tu vois, il y a un côté. Badiner, c'est un ancien terme que j'aime bien et ça convient bien à la, à, la, à la phase où ta structure est, enfin une des priorités, de une des clés pour ta structure, c'est bah, accepte de badiner, de séduire, de me faire du marketing avec toi. <laughs> et donc, bah ouais, rentre dans ces notions, rentre dans cette notion, bordel, de... Euh, J'ai dit malin, hein, de... Euh, bah, je, en fait, je fais un pas vers l'autre. Ça veut dire ça. Et t'arrêtes que le monde ne tourne pas autour de toi, c'est aussi toi, pas au niveau de la matière, hein. euh, au niveau de la matière, je vais aussi vers les autres. Déjà, il y a ça. Il y a cette notion de séduction marketing euh, aller vers, euh, qui te réconcilie avec ce dont on a parlé juste avant donc qui, te perm qui permet à ta structure à ton être euh, de, de rendre conscience cette énergie et de du coup l'intégrer et de l'accepter et après tu pourras passer au niveau suivant déjà euh... donc il s'agit ok donc il y a des choses qui vont pou en fait oui il y a des choses que tu vas pas pouvoir faire pour toi et que c'est l'autre qui va poser de l'intention sur toi et par le jeu de la relation bah Va être amené à être ta béquille temporairement et subvenir à ton besoin. Et parfois, bah, ce ne sera pas le cas. Parfois, c'est toi qui vas subvenir à ton besoin dans la relation. Et c'est pas parce que tu n'es pas. Ah, bah, tiens, il y a la soumission. pas c'est pas parce que tu n'es pas soumise à l'autre, et donc au regard de l'autre, pour exister, que tu n'existes pas et que la relation n'a pas lieu. Parce qu'il faut que l'autre pose les yeux sur toi. Et donc, j'en viens à la deuxième clé de résolution. C'est-à-dire l'attention que les gens ont sur toi. Donc, comme ça te fait vriller... Alors, euh, par quel chemin on va passer euh, Vivre les yeux fermés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette information brute Vivre les yeux fermés, c'est... l'incapacité d'avoir les yeux posés sur soi-même. Ouais. Pas d'autre. Joue à cache-cache. Ok, c'est ça. Donc en fait, tu es en train de jouer à cache-cache avec toi-même. T'adores les autres. Tellement que t'en as fait ton sujet principal en t'oubliant toi. Un truc qui manque quand je dis ça. Ouais, il y a un truc qui manque lorsque je dis ça. Il y, y a quelque chose qui manque, j'ai dit, quand je dis ça. C'est pas complet. Parce que tu supportes pas être avec toi-même, tu supportes pas les femmes. Tu, tu supportes pas d'être une femme. Ouais. La, fée, la, fée, la féminité. Ouais, mais là, c'est dans l'expectative. Être un homme, tu le sauras jamais, en fait, tant que t'es pas dans la peau d'un homme. Ce qui est mal barré dans ton expérience humaine, j'ai envie de dire. Euh... Ah oui, il y a. Oui, non, mais ça n'empêche que. Oui, bon. Oui, qui change de sexe, mais à la base, c'était quand même des femmes ou des hommes. Et après, ils font le mais on se sent homme. Euh, en fait, tu as un problème avec la féminité. Et donc, en fait, on n'est plus sur une liberté de choix chez toi. c'est pas parce que tu es une femme que tu peux que séduire, euh, la fermer et être à la cuisine, si je te le mets en mode euh, années 50. Euh, donc, en fait, tu as quand même une liberté de choix. Une latitude d'attitude, une latitude d'action, une, une latitude de choix. Donc, une panel, une palette de choix, d'attitudes et d'actions qui est énorme. Euh, T'as juste pas eu le modèle à la base d'une femme libre, en fait, enfin d'une femme, d'un être humain, quoi, en fait. On se prenne pas la tête. Donc, en fait, si je dois revenir à toi, c'est. Eh ben. as quelque chose d'inattendu. Par rapport, par rapport à ce que tu n'attends pas par rapport à ce que tu par rapport à ce que tu t'autorises d'habitude voilà la clé <laughs> mais si tu peux couper ta vidéo ouais donc euh, t'es bien dans les clous, t es, t es, en gros t'es la petite fille qui écoute sagement ce qu'on lui dit, mais à, à aucun moment tu vas poser la liberté. C'est pour ça que je te renvoie à la palette d'actions, de choix, euh, de paroles que tu as dans le temps, dans ton lien à l'autre et dans ton lien à toi, évidemment. Oui, ça dépend du niveau, ça, ça, ça dépend de l'aspect euh, duquel on parle. Hein. Là, je, là, je te parle dans, dans ta relation à l'autre. Hein. voilà. Euh... Vivre tes incohérences. En fait, tu as une certaine image de toi, une certaine image de ce que c'est être une femme, et tu tu te décales pas du chemin. Peut-être il va falloir expérimenter d'autres chemins, d'autres manières d'être, d'autres angles de vue qui sont peut-être perçus par ta structure comme étant des incohérences, comme des fautes, euh, comme incongrues dans le contexte relationnel. Ouais, avec ça c'est bon. Voilà la clé de résolution pour toi. Alors c'est comme tu veux. Enfin, après c'est tu, tu à toi de, de, En fait tu intègres. Là, en fait les, les, les clés de résolution c'est comme des ingrédients. À partir de là tu fais ta propre recette. C'est pas mon, euh, c'est pas mon, euh, c'est pas mon problème en fait. C'est ta, ta recette. Regarde comment tu peux me. Si c'est ça bah c'est ça. Mais ça peut être aussi d'autres choses. C'est à toi de voir. Euh, ouais, on est bon. Merci pour ta question, Pierrette. Bonne soirée. Salut. Ok, Maëlys, c'est bon. C'est à toi. Salut. Ton, ton micro, Maëlys. Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais oui, je sais, mais je peux pas activer simultanément euh, la vidéo sur YouTube et la vidéo sur Zoom. J'essaierai de faire ça pour la prochaine fois, mais il euh, faut, euh, faut que je vois comment ça. Alors, dis-moi tout. Mm-hmm. <laughs> 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 Si tu veux légitimer ta flemme à travers moi, c'est ok, hein, <laughs> pas de souci <laughs> Tu veux voir s'il y a baleine sous l'avion, euh, sous le côté, je m'en fous... Euh... T'as l'air d'être... En fait, es des... tu sens qu'il y a une distance, avec les choses, t'arrives. Un détachement, et tu te dis, mais c'est bizarre. <laughs> Ok, on, on va voir ce que ça ce que ça raconte derrière. Alors euh, détachement, qu'est-ce que ça Non, écoute, c'est bien posé déjà. Euh... En fait, c'est limite, tu t'emmerdes. T'aimes rien, t'as l'habitude de l'action et t t et donc tu te dis, euh, tu te dis ah bah, pff, cool, je le cherchais. Euh, J'ai atteint le Nirvana et en fait, euh, j'aimais bien la guerre en fait, j'aimais bien quand c'est l'action. En gros, c'est ça que ton système raconte c'est euh, cette nostalgie, ce deuil de, du, côté, euh, du côté tout feu, tout flamme. Ça veut pas dire que le côté tout feu tout flamme a disparu, ça veut juste dire que le côté tout feu tout flamme s'exprime différemment chez toi et que tu n'as pas encore les connexions. Euh, ta structure n'a pas encore trouvé les connexions pour euh, connecter ce niveau tout feu tout flamme et du coup le manifester dans ta vie. Alors, ouais, déjà, on est sur une bonne piste pour toi. Euh, y a-t-il autre chose par rapport à ça Parce que non, t'es es, es vachement bien installé dans ton... Euh, en fait, as ton euh, l'humain, dans ta flemme, dans ta flemme cosmique. Ta flemme cosmique, elle est bien, elle, elle est bien installée. Donc, euh, t'es bien connecté à cette expérience. C'est une expérience véritable chez toi. Euh, parce que tu travailles dessus aussi depuis pas mal de temps, même sans t'en rendre compte au départ. Et là, c'est un outil chez toi, en fait. Mais du coup l'image que tu as de toi bouge en fait, se décale petit à petit. Parce que tu vois bien que tu réagis plus et que tu n'as plus les mêmes attitudes qu'avant et tu dis dis, ben, avant je partais au quart de tour, qu'est-ce qui se passe Et bien là, il s'agit d'aller reconnecter ce niveau de feu, ce niveau d'action, ce niveau de création d'une manière différente. Et donc là, chez toi, ça renvoie... Le... Alors, j'ai peur que ce soit mal pris. Voilà. Au niveau de la sagesse, si tu veux, t'installes la sagesse, tu as installé le logiciel, le logiciel sagesse. Il est bien, il est... mais c'est pas parce que tu es une sage que euh, tu fais pas la mariole de temps en temps. Que tu n'es plus une enfant pour autant. Et donc, on en revient au côté sérieux, si tu veux. Ouais. Voilà, il est là le truc. Euh, le, le sage, c'est un peu le fou on ne sait jamais s'il si est sage est... en fait il un... c'est une BD euh, j'ai jamais lu j'avais juste lu quelques quelques euh, quelques cases et euh, ça se passe dans dans, dans l'Arabie Émirats euh, arabes etc et c'est un sage que tout le monde prend pour un fou et à chaque fin d'histoire il y a toujours une petite une petite anecdote une petite euh, perle de sagesse quoi et les personnages les autres personnages de la BD ne sa ne savent jamais si c'est s'il fait ça par sagesse, et si c'est le plus grand des sages, ou si c'est juste l'idiot du village, quoi. Et tu vois, c'est cette limite, elle est là chez toi. Quand est-ce que t'es, euh, arrête de te prendre au sérieux, de péter au plus haut que ton cul, en gros. Et c'est, mais le jeu, le côté un peu fol, le côté fou, il t'apprend tout autant. Donc en fait, il est question de déstructuration chez toi. Je reviens à des termes un peu plus pompeux. Sagesse. Et le côté euh, j'ai de la distance, ça veut pas dire que tu te prends au sérieux. Ça veut juste dire que t'es consciente des choses. Mais que t'es consciente aussi de ta connerie. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Je vais terminer. Eh bah ouais. Eh bah rien. L'humour. L'humour comique, c'est de l'humour cosmique. Tu vois Voilà. En fait, c'est l'information le, le, sous-jacente derrière, c'est le, le côté divin sera toujours équilibré par le côté humain. Le côté divin, on va dire, c'est la distance, donc c'est la conscience, l'espace de conscience. Le côté humain, bah, c'est toute l'agitation qui est à l'intérieur. Et bah, l'agitation, ça se marre aussi. Et on peut même tu peux même utiliser ce point de vue, euh, cette distance que tu as sur les choses. Pour rire de choses que tu n'arrivais pas à rire, comme tu disais à l'instant. Et c'est là où tu joues avec l'image que tu as et où tu floutes et où tu transformes tes relations, parce que ça vient parler de ça en sous-jacent, en arrière-plan. Parce que comme les gens savent plus sur quel pied danser, c'est ce que c'est une folle ou est ce que c'est une sage Eh ben euh, c'est là où il y a des brèches qui s'ouvrent. Donc, ce n'est pas vraiment de la flemme, c'est juste que bah, tu as accès à un certain niveau de conscience. Tu es connecté euh, régulièrement, même souvent, et très souvent, si ce n'est tout le temps, à ce niveau de conscience qui est conscient de... À partir de là, bah en fait, ce n'est pas le, le, la fin du chemin, c'est le début du chemin. À partir de là, mais en fait, à partir de là, mais c'est qu'est-ce que je fous dans l'humain de ça Mais avec là, tu es sur la bonne piste. Et intègre l'humour, intègre l'humour cosmique dans ta vie d'humain, d'humaine. Regarde comment ça transforme l'image que tu as de toi. Regarde comment ça transforme le jeu relationnel et à quel point tout ça est élastique. Le jeu relationnel, ton image, c'est de la pâte à pure et dure. Ouais, la clé de résolution, elle est là pour toi. Il n'y a aucun mur. Le divin n'est pas un mur. C'est pas la ligne d'arrivée. C'est le commencement de quelque chose. L'éveil. Beaucoup de gens cherchent l'éveil. L'éveil, c'est une expérience. C'est une porte d'entrée vers autre chose. Parce qu'une fois que tu t'es tourné vers le divin, il va falloir se tourner vers l'humain. À partir du point de vue du divin. Regardez l'humain. Ouais. Ouais, faire le switch. Mais oui. Ouais. Mais c'est marrant si tu veux qu'on qu tombe sur ça parce que c'est euh, ce qui m'arrive en ce moment et c'est ce que je voudrais proposer. Parce qu'il y a des conférences que je veux faire en, en présentiel ou des séminaires qui mêle à la fois ce côté très euh, explorer le labyrinthe de l'humanité et en même temps bah euh, cet, cet appel vers le divin tu vois un peu des deux mais je sais pas encore comment bien poser les choses mais ça me renvoie à ça dans mon expérience tu vois et bref tout ça pour dire mais à partir du point de vue du, du, du divin à partir de l'œil de Dieu connecte l'humain regarde c'est une curiosité l'humain il joue c'est de la transformation. Il y a plein de petites bulles dans cet espace de conscience qui vont dans toutes les sens, qui sont plus lourdes, plus denses, plus colériques, tristes, joie plus grandes, plus petites. Et tout le jeu, c'est de voir, et de voir, de reconnaître le divin à travers l'humain, et que l'humain reconnaisse l'humain, hein, simultanément. Et donc de voir que dans chaque bulle, il n'y a que du vide. Même la, membrane est fait de vie, même la membrane de la bulle est faite de vide, même l'extérieur est fait d'espace de, de conscience. Ouais. Ah oui, les repères. Les fameux repères. Ce sont les fameux repères qu'en tant qu'humain, on cherche tout le temps. On cherche quelque chose pour couvrir notre humanité. Dès qu'on a découvert le divin, réalisé cette expérience d'éveil, on est ramené en puissance vers l'humain parce il y a l'œil de Dieu qui regarde l'humain constamment. Il contemple l'œil du divin. Et on se, on se regarde en toute transparence, en toute honnêteté, en toute intensité, parce que c'est direct. L'œil de Dieu est direct. Il hein. faut pas non plus chercher midi à 14h, c'est regarde-toi là. Et ça, c'est hyper difficile pour l'humain qu'on est. Et donc, on rentre en résistance, même, à, même en contrôle divin. Et tout l'objectif, c'est de, bah, de bah, rentrer dans le processus bah, ok, petit à petit, j'accepte que mon point de vue humain ne fasse qu'un avec le point de vue divin. Et t'en es là. T'en es là. Ça augure des choses, hein. Ça augure plein de choses. Mais oui, parce que y a, y a l'humain, il est toujours. Tout, tout, comme tu dis, tout est là. Mais l'humain, il est toujours à dire Bon, bah, du coup, ça y est, je suis arrivé. Parce que le je suis arrivé, c'est je, je, je cherche quelque chose sur lequel me reposer, sauf qu'il n'y a rien sur lequel te reposer. C'est mort. C'est mort. Oublie. L'être humain, il y a trop de phénomènes corporels, matériels, émotionnels, conceptuels, énergétiques qui existent pour que ce soit calme. C'est mort! Et ouais, je joue avec ça. Ouais. Mais oui. Mais oui! On est là pour ça, les amis. Explorer l'humain. Regarder le, le Regardez l'humain à, à travers l'œil de la conscience, peu importe comment on appelle ça, mais ouais, c'est observons l'humain. L'humain est trop intéressant pour, pour être pour regarder à droite vers le mur quoi. Ouais, ouais, ouais. Du coup, mais ça engage quelque chose qui est très concret, très difficile parfois pour l'humain, très joyeux aussi parfois, parce que on, on devient notre propre matériau. On est notre propre matériau. C'est bon, ça y est, t'en as assez <laughs> Ouais. Parce que euh, ça fait combien de temps qu'on est là là même pas. C'est deux heures déjà. C'est pas mal deux heures. Je pense qu'il y aura plus de questions après. Euh, ce que je propose. Donc, ceci est la surprise dont j'avais parlé au début. Donc, à la fin de chaque webinaire, donc 4 fils fil conscient humain, je propose sur Zoom uniquement euh, un, petit, euh, un petit truc de chirurgie informationnelle. Donc, du coup, les personnes qui sont sur Zoom, les personnes qui écoutent et qui veulent venir sur Zoom pour participer au. Euh, à ce petit atelier collectif euh, euh, bah, n'hésitez pas à venir à vous connecter c'est un truc qui va durer 10-15 minutes 20 minutes grand maximum donc ça va pas non plus être, euh, être euh, durer 45 minutes mais ça, vous, ça va permettre de reconnecter le flux d'informations que j'ai renvoyé tout au long de la soirée à travers, euh, pour le groupe et pour les personnes, à travers votre corps donc si ça vous intéresse viendez un peu euh, pour YouTube, euh, je vais couper, mais avant ça... Donc, donc, euh, les mails privés, n'hésitez pas à vous inscrire dessus. Pourquoi Parce que j'envoie euh, un mail hebdomadaire dans lequel je décris des clés de résolution. Euh, je formule des clés de résolution autour d'un sujet. Euh, je décrypte des cortiques euh, dissec comment fonctionne l'humain à des niveaux profonds, dans tous les choix euh, et les fonctionnements inconscients de l'humain comme d'habitude. En général, je me prends comme exemple, parce que euh, c'est le meilleur matériau que j'ai en ma possession et que je connais le mieux, évidemment. Euh, ensuite, je vous envoie aussi de temps en temps des chapitres du livre Cartographie de l'inconscient humain, donc qui est basé sur le webinaire du même nom. Euh, c'est un livre qui va sûrement sortir l'année prochaine ou dans deux ans ou dans trois ans, je ne sais pas. Mais en tout cas... Euh, euh, de temps en temps, je vous, en des, je vous enverrai, je vous enverrai pardon, des chapitres un, un peu en, en avant-première, parce que euh, personne qui connaît ça. Euh, ensuite, je vous envoie aussi des promotions pour mes ateliers collectifs, Donc, surtout pour mes stages en forêt, pour les conférences et pour les, euh, les séminaires à venir. Donc Notamment, là, il y a une première promotion qui a été envoyée euh, hier euh, par mail. C'est pour le stage euh, en forêt du 15 au 18 mai qui se passe à Lacano Océan. Donc, un, avec la réduction, on passe de 304 euros le stage à 250 euros le stage euh, sans les frais d'hébergement et sans les frais de bouffe. Donc, sachant que l'hébergement est euh, proposé gracieusement par euh, la cuisinière Lucille qui viendra nous préparer des bons petits plats. Sachant que c'est euh, chaque plat cru et végétaux, cru et végétal, cru et végétaux, je ne sais plus, coûte 40 euros par, euh, par jour. Donc voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, eh ben, je mets le lien de mon site internet, si j'y arrive, en, euh, sur le chat YouTube. Et si vous voulez vous inscrire sur les mails, euh, les mails de, au cœur de l'humain, ben, c'est sur mon site internet, sur la page d'accueil. Ensuite, pour les prochaines dates, du 10 au 12 mai, je suis en stage en forêt à Fontainebleau. Donc il y a déjà 4 personnes qui sont inscrites. Euh, et en ce, concerne, en ce qui concerne mes prochains ateliers collectifs, euh, c'est chirurgie informationnelle collective, c'est le dimanche 3. Donc c'est la semaine prochaine de mémoire. Ensuite, il y a la conférence Vivre le changement, c'est le 22 avril de 19h à 22h. La particularité de cette, euh, de cette conférence, c'est que c'est une conférence surprise. Euh, je fais jouer les gens à partir des jeux je commence à formuler à la structure inconsciente des clés de résolution. Et à partir des informations que je renvoie, je formule un thème. Et à partir de ce thème, les gens me posent des questions. Et donc avec ça, c'est la certitude que les questions, et surtout que les réponses que je vais formuler, les clés un peu plus concrètes que je vais formuler, s'enracinent dans ce que la personne a vraiment besoin d'entendre et dans son, euh, dans son flux d'évolution. Et ensuite, n'oubliez pas qu'il y a toujours l'information communiquée avec, avec la structure inconsciente qui... Euh, continue le prochain. c'est lundi qui vient de mémoire. et donc voilà. si vous souhaitez nous rejoindre pour le... Euh, pour euh, le soin collectif. isabelle, le lien zoom est dans la description de l'événement youtube. donc sur ce... Merci à toutes et à tous euh, d'avoir participé à ce webinaire, ce premier webinaire de, de l'année, hein, le premier euh, webinaire du Phoenix. Euh, ça a été un plaisir vraiment de, de, bah de vous retrouver. Retrouver des têtes, euh, des, têtes des têtes dont j'avais l'habitude. Je vous donne rendez-vous pas la semaine prochaine. N'oubliez pas, maintenant ça devient bimensuel, mais cartographie de l'inconscient humain revient dans deux semaines. La semaine prochaine, je vous attends mercredi 19h pour les sous-titres du monde. Une émission où on va explorer l'inconscient collectif. Quels sont les choix, les fonctionnements euh, inconscients derrière les sujets sociétaux Donc vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez. Pourquoi Macron est président Pourquoi euh, guerre en Ukraine Pourquoi... Euh, pourquoi contraception Pourquoi les impôts Pourquoi payer paye des impôts en fait Quels sont les fonctionnements et choix inconscients Donc, euh, n'hésitez pas à, pr à préparer vos questions si vous en avez. Et je vous dis euh, à tout de suite pour ceux qui vont participer aux, euh, aux soins euh, chirurgiens informationnel. Et à la semaine prochaine pour les autres. Salut